Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Garbage. On est toujours avec nos copains, d'ailleurs ils sont plusieurs, les clodos dans leur petit squat et on se prépare à encaisser une attaque. Qui devra tomber dans pas longtemps. En attendant on va prendre une douche, non, on n'a pas eu le temps. Ils sont deux, ils ont un t-shirt, d'ailleurs, ah on a gagné un t-shirt, faut que je le mette. Les chaussettes on les a pas achetées, du coup non. Allez, fight! Nova qui prend cher, il a pu mettre KO son adversaire. Kenshi qui est là pour tanker mais qui tanque que dalle. Si, ça y est, il a pris l'aggro, il était temps. Et bam! Le coup de coude dans la mâche. On récupère un petit peu de nourriture. Alors, par contre, je crois qu'on a trouvé un t-shirt pourri. Très bien. Toi tu vas aller dormir, toi tu vas aller t'entraîner un peu avec ce qui te reste d'énergie. L'aventure dans les égouts c'est dans 16 heures. Il nous manque quoi pour ça? Plein de plastique. Ah, la Ligue des Justiciers arrive dans 20 heures, ça c'est pas cool. Les flics ils sont un petit peu énervés quoi. Il faut qu'on s'entraîne. À dormir. L'aventure dans les égouts, il suffit d'un seul mec pour combattre. Ah putain, mais c'est bien ce qui me semblait, je lui ai filé de l'héroïne sans faire exprès à lui, merde. Bon bah raison de plus pour faire le combat. Mais du coup faut pas qu'il s'entraîne. Donc il va mendier pour la peine. Quand j'ai double cliqué pour mettre le t-shirt, il me semblait que j'avais consommé un truc, j'avais pas vu quoi. Bah voilà. Maintenant on sait. Si on a bientôt fini, on va pouvoir mettre des patates. Pas encore. Allez. Voilà, on va tenter de faire pousser des patates maintenant. Toi, va t'entraîner. Donc lui il prend pas d'expérience tant qu'il est sous héroïne, donc bah pour l'instant il va faire autre chose hein, tout simplement. Voilà, c'est parti. Du coup c'est Kenshi qui va avec son héroïne. J'ai même pas fait gaffe si c'était toujours là, mais c'est pas grave, de toute façon il devra pouvoir gérer normalement. Voilà, il a bloqué l'attaque, parfait. Faut cogner par contre là monsieur. Deux de dégâts, t'es sérieux? Bah ouais, c'était nul. Vous ne battrez jamais le peuple des égouts. Bah tu m'étonnes. Ouais. Malgré l'héroïne quoi. Ouais, la lutte des justiciers dans 5 heures. Bon à 2 on est un peu plus efficace mais bon. Bah du coup tu vas retourner t'occuper de ça et toi tu vas dormir un peu. Il faut que vous soyez en pleine forme pour la Ligue des Justiciers, déjà que ça va être tant du sang. En plus juste derrière il y a le grand vol d'ordures, j'aimerais bien essayer de choper du plastique si on peut. On peut prendre du plastique? Oui, on a débloqué ça. Allez, repose-toi plus vite que ça, plus vite que ça, non! En plus, eux, ils nous prennent de la thune. Ah, excuse-moi, je me lève, je prends mon petit déj. Mais la dernière fois, comment ils nous tapaient hyper fort, je pense pas que ça passe. Hein. Oh, quoique, on a réussi à en mettre un KO. Bon, l'autre il est bien tanky quand même. Aïe, l'uppercute qui fait mal. Alors, Kenshi, c'est clairement pas le DPS son trip. Hein.
Oh, bien joué Kenshi! Sans déclencher ton attaque, on a gagné 2 plastiques, ça c'est cool. Est-ce qu'avec 2 plastiques, on pourrait pas faire ça? Non. Bah tu vas retourner mendier, toi tu vas aller t'entraîner là. Quoique non, attendez, il y a le grand vol d'ordures dans pas longtemps, donc non, tu vas te reposer pour regagner un peu ta vie. Kenshi va partir sans endurance, mais tant pis, il est là pour encaisser. On va essayer de gagner un peu de plastique. Ça va être chaud. Ça va être très chaud, mais on tente. Oh la vache! Le 16 points de dégâts direct dans la tronche. Bon bah Kenshi, s'il avait pu déclencher son blocage, ça l'aurait fait, mais là, ça a fait un peu mal. Hein. Ça pousse ici? Ouais, ça pousse. Bon bah faut se gonfler hein. Là pareil il nous manque du plastique pour faire ça. Va te reposer un peu toi. On va avoir des fights à faire. Ok, ici on est niveau 6, ça c'est cool. Est-ce que pour l'instant je vais prendre ça? Ouais. Pour l'instant, je vais prendre ça. Ça, c'est 2 points. Non, on va plutôt prendre le crochet, c'est plus efficace. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas aller là. Là, on va aller se reposer. Et on va aller mettre des petites fessées à ceux qui jouent au malin, là. Dès qu'on est reposé, on a encore des combats à faire. Merde, il fait nuit. Alors dans la nuit, normalement, on peut quand même faire le combat de l'air de jeu. Voilà, toi là. On va aller essayer de lui piquer sa fleur. 34 PV quand même. Hein. Il est un peu plus en forme que le clochard de base. Oh, il nous a stun, t'es sérieux? Direct, il nous stun, quoi. Et en plus, il arrive à activer son truc pour parer, lui. Bah oui, du coup. Abused! Et toi, là? Est-ce que si on y essaye avec Kenshi, ça passe mieux? Puisqu'on peut parer les coups. Ok, on a réussi à parer. Il a paré aussi. Oh mais non. Combien de chance? 40 à 80% de chance d'étourdir. Ah ouais, forcément ça calme. Hein. On est fatigué. Dommage. On a réussi à lui faire un coup critique, mais malheureusement on était trop fatigué. Donc ça ne passe pas. Ouh, il y a l'aventure dans les égouts dans 1 heure, dans 2 heures, ça va être chaud. On va essayer de rebooster notre ami Noah. Il devrait être capable de le faire. Hop, voilà. Et toi, va dormir. Allez, on envoie Noah, c'est parti. Normalement le mec en face il est tout faible, il y a quand même moyen. Par contre c'est sûr qu'on a aucun équipement. Hein. On est vraiment à poil quoi. Mais il nous fait 12 de dégâts direct ce con. Sans blague. Voilà, le coup de pied dans les gencives. Merci Noah, c'est le minimum. On récupère du thé rose. Ok. Pourquoi pas. Bon, cela dit, on pourrait peut-être profiter qu'on a encore un peu sous l'effet d'héroïne pour aller
gérer les vilains. Non, elle va partir l'héroïne avant qu'on soit prêt, je pense. Allez hop, on va au marché. On peut envoyer qu'une seule personne. Tu fais quoi de beau, toi? T'as le blocage, le coup de coude, le coup explosif. C'est un travail pour Noah. Bim, bim. Et voilà, la petite buff pour finir. La viande de rat. Le suivant. Fedia est en rogne. Ah oui, lui commence à être un peu plus vénère. Le coup titubant, le coup voleur et la parade. Kenshi, tu serais full life, ça pourrait le faire, mais là, ça va être chaud. On va devoir se reposer un peu. Et au moins, tu vas pouvoir retourner t'entraîner. L'aventure dans les égouts, c'est dans 13 heures. Ça laisse le temps de s'entraîner. Là, on pourrait faire un peu de bouffe, cela dit. Toi, va dormir. Ah merde, il commence à faire froid. On va allumer la torche. Les patates, ça pousse lentement, hein. J'espère que ce sera rentable. Du coup, là, l'eau commence à être gelée, ouais. Récupère toute l'XP que t'as de retard là. Non, s'il commence à être vraiment dans le mal, il va falloir qu'on dégèle l'eau et qu'on l'envoie prendre une douche. Même si c'est relatif. Ouais, c'est dans 2 heures l'aventure dans les égouts, c'est quand même qu'il y en ait un qui soit en état de se battre. On va tenter quand même, hein. On affronte le secrétaire des égouts qui invoque des déchets. Et c'est Noah qui s'y colle. Oh la vache, 22 de dégâts. Rien que ça quoi. Heureusement, il enchaîne notre ami Noah. Et on récupère de la vitamine. Ah du coup, tu vas retourner dormir. Tu commences à avoir froid aussi. Bah ouais, ils sont à poil, ouais. C'est un petit peu problématique, il fait 4 degrés, ils sont à poil quoi. Après, on peut faire un feu, hein. On a ce qu'il faut. Ben, après, faut l'allumer, mais. Moi, il pleut, on va pouvoir se doucher. Grand vol d'ordures dans pas longtemps. Stop, arrête-toi. Va récupérer un petit peu d'énergie là. On va essayer de se faire du plastique si on peut. Oui, on va se battre pour du plastique. Level 6 et level 4 comme nous. Écoutez, go. Comme nous mais en pleine forme. Méditer, on a 50% de vie si seulement il vous manque plus de 50%. D'accord. Ça castagne dur là. Ah non, Noah est KO. T'aurais dû prendre l'aggro Kenshi là. Ouais, du coup, il y a beaucoup trop de monde en face, même s'ils sont fatigués. Voilà. Ah la vache. En plus, on est bien blessé.
Bon bah, toi tu vas continuer de dormir. On a quand même quasiment une journée, donc ça va. Vas-y, va te t'entraîner un peu. Non mais toi faut que tu dormes. Va dormir. Va dormir. On est d'accord que là on n'a pas d'équipement. Hein. Non, on a de quoi faire à manger. On va faire un petit tour de ce qu'on peut faire avec l'argent. Ici, on peut acheter un hot dog. Pourquoi pas, mais ça m'est pas très utile. Les mécaniciens. On pourrait embaucher le danseur. Ouais, bof. Et l'air de jeu. Il y a toujours ce combat-là qu'on doit réussir. On pourra embaucher un coach d'agilité. Sauf que ça nous sert à rien. Et là, on aura un fight à faire éventuellement. Mais du coup, on est un petit peu blessé, on va dire. Toi, là, arrête de glander. Tu peux t'occuper de ça, non ? On va être un peu prêt en état pour l'aventure dans les égouts, c'est pas mal. Allez. C'est Noah qui va tenter. Ah mais ils sont deux en face. Ça va peut-être être compliqué tout seul. Kenshi, on va quand même l'envoyer. Hein. Il a sa fracture, mais... Et pour l'instant il est un petit peu trop fatigué. Ah d'accord. Ils nous ont invoqué des déchets dessus et ça y est c'est la merde quoi. Et en plus il me stun. Ok, très bien. Comme ça c'est fait. Bon, l'aventure dans les égouts, on va peut-être la mettre de côté 2 secondes, on a une intrusion bientôt. On se repose. Toi, va essayer de guérir un peu ton... Toi, tu vas cuisiner pour qu'on ait de quoi manger. Tu commences aussi à être un petit peu dans le mal. Ah merde, notre torche s'est éteinte ici. Alors que les patates sont presque prêtes. Debout, toi. Alors, l'invasion. Bon, lui il est handicapé. Huit PV c'est quand même tendu hein, mais bon. En face ils sont pas hyper en forme non plus. Alors, peut-être fallu que j'utilise une attelle, j'avoue. Bon, Noah il a fait le taf, il a réussi à en mettre un KO malgré qu'il avait pris l'aggro. On récupère un petit peu de nourriture, écoutez très bien. Toi t'es vraiment dans le mal, faut qu'on allume la torche ici. On va mettre de l'eau. Tu vas aller te prendre une douche. Et toi tu vas retourner dormir. On va devoir te mettre la telle. Bah du coup on va pas dormir. Hein. Tu vas plutôt travailler là-dessus. Il fait moins de 2 degrés. Ça devient compliqué d'être en slip. Ah oui, ils peuvent complètement mourir de froid, oui. C'est ce qui nous est arrivé la dernière fois, ouais. Ok, Kenshi a enfin son niveau. 5% de chance d'appliquer un effet de fatigue. Peut se placer devant un allié si celui-ci est à portée de mêlée des ennemis. Alors, on ne connaît pas le coup de boule. Mais super héros, ça va plutôt bien avec son style. Et on va aussi prendre la peau grasse pour qu'il perde moins de chaleur. Que clairement c'est compliqué et du coup on va t'enlever le t-shirt.
Et on va le filer à Noah. Ça m'embête parce que faut vraiment double cliquer précisément quoi. Allez, remarque, je pourrais afficher juste les vêtements, ce serait pas mal. Tu vas dormir toi. Ah non, tu vas te réchauffer, excuse-moi. C'est l'autre qui va dormir. Parce que la dernière fois, il est mort de froid lui là. Alors on va espérer qu'avec un t-shirt et des baskets, il s'en tire mieux. La vengeance des titans. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quelque chose me dit que c'est pas bon signe. Allez, à l'entraînement, et toi tu vas aller dormir. Tu t'es réchauffé un peu? Ouais, très bien. Tu vas dormir. Tu manges, bah mange, mais après tu vas dormir. Non, bah, puisque tu veux pas dormir, tu vas cuisiner. L'aventure dans les égouts, c'est dans 6 heures. On va se détendre. Toi, tu vas aller dormir. Toi, tu vas arrêter de bouger. Toi, tu vas dormir. Toi, tu vas cuisiner. Et là, on a bientôt terminé notre patate. Alors, du coup, on a eu 3 patates. Ah. Effectivement, c'est plutôt rentable, les patates. C'est reparti pour des patates. Et il neige, j'imagine que ça remplit pas la citerne. Si, un petit peu. Aventure dans les égouts dans 3 heures, c'est parfait. On va avoir le temps là d'y aller, de terminer la bouffe et d'aller dormir un peu. 2 heures de sommeil, ce sera largement suffisant. On a toujours pas moyen de faire un banc là, non. Ici, on va devoir remettre un peu de papier. C'est parti, on est en pleine forme. Cette fois, on se les fait. Allez, go! Oh, le 65 de dégâts là qui fait plaisir. Ah, ils ont mis KO Noah. On part l'attaque. On est fatigué. Non. Oh oui, le petit coup. Okay, l'autre, il nous a envoyé ses rats sur la tronche là. Cool, on a récupéré des fringues. Ça, ça fait plaisir. Alors là, faut qu'on regarde un peu. Qu'est-ce qu'on a de beau? Non, mange pas. Mange pas. Non, mange pas. T'en branles de manger. T'as déjà super faim. Bon, tant pis. Faut vraiment faire gaffe où on clique, hein. Alors, on affiche que les fringues. 7% de chaleur. Les baskets stylées. Et bonjour John Peace, bienvenue sur le live, comment vas-tu? 8 dégâts, alors on va prendre ça, et on va prendre ça, et toi mon cher, tu vas prendre le t-shirt et les baskets blanches. Voilà. Parfait. Et toi, il est temps que tu ailles t'entraîner un peu. Baston de clodo, un petit peu, il faut aussi les faire survivre. Mais on va pas se cacher que, ouais, on est là pour les faire se bastonner. Hein. Le grand vol d'ordures dans 7 heures, je sais pas si on sera prêt. Allez, va te reposer. Ah, ici on a un niveau 7, ça c'est cool. C'est qu'on va arriver 10% de chance d'étourdir l'ennemi sur n'importe quelle attaque, bah oui. Et en plus on peut prendre une compétence de plus, on va pas se gêner. Par contre faut peut-être te reposer et te soigner un peu ta vie. Avant le grand vol d'ordures. On a plein de sous. On alimentera peut-être le feu avec des sous. On trouvera un moyen de le dépenser. On est quoi? On est en journée là. On va faire le grand vol d'ordures. Essayer de récupérer. Il nous faudrait du plastique ou du verre. Après, il faudra aussi qu'on avance les quêtes. Hein. Vas-y, prends une petite douche. C'est parti. Ouh, ils sont vénères. 30 PV.
tous les deux. En plus, lui, il est bien équipé, il est bien habillé. On a stun, là on part. Allez, il faut le finir lui, parfait. Kenshin est un peu fatigué. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est en train de méditer pour regagner de la vie. Parce que nos deux mecs sont fatigués. Oh, le 12 de dégâts qui fait mal alors qu'il lui reste 2 en face là. Allez, non, il a fait pile poil 7, pas de bol. Pas de bol, pas de bol, on va pas se mentir, c'est pas de bol. Bon, allez, retourne te soigner, toi. Eh bah, dernier week-end des vacances pour moi aussi, John, tu vois, comme quoi. Du coup, ça va, tranquillement, ça fait un petit live pépère. On va aller ici, là, on y va. Merde, il fait nuit. J'ai pas été voir la nuit au marché. Ah, lui pour 2 balles, il nous file du thé au cannabis, on prend. Ce qui veut dire que on peut aller à l'aire de jeu récupérer quelques bandages en échange de notre thé au cannabis. Toi tu fais quoi? Je dors ici la nuit, c'est presque comme chez ma mère, je dois juste faire mon lit, vous pouvez m'aider. Elle nous file des attelles contre 5 papiers. Alors il se peut qu'il y ait un petit peu d'histoire de drogue dans ce jeu. Je ne nierai pas. Ah, des gants, ça c'est cool ça. Un petit peu de méthamphétamine, parce que pourquoi pas. Et toi... Ah, il nous faudrait... Il faudrait qu'on arrive à faire les fleurs, en fait. Pour débloquer un peu des zones aussi. Du coup, ce qu'on va faire, je pense, c'est ça. Le prochain grand vol d'ordures, on va peut-être pas le faire, on verra. Et on va essayer d'avancer un petit peu les zones. Alors là, ça y est, on a suffisamment pour faire ça. On va le faire. Et on peut même faire un banc, on va le faire aussi. Et Rosquash, re-bienvenue sur le live. Ok, donc on est dans 12 heures, ça va être le drame. On va essayer de se faire l'huile. Je pense que Noah, il devrait être capable maintenant de le gérer. On va essayer. Bon, il nous a mis un coup de boule, mais il nous a pas stun déjà, ça change tout de suite la donne. Hein. Voilà, nous on le stun. Et voilà, ça c'est fait. Et on récupère des fleurs. Wonderful. Alors, 2 secondes. Toi, tu vas te reposer. Ici, on commence à avoir un petit peu froid. Mais normalement on a des gants à mettre, donc les gants ça va être pour toi, voilà. 10% de dégâts de coups de poing et 5 bonus de vitesse d'attaque et 5% de risque d'étourdir. Ça nous met pas de bonus de chaleur, mais bon, c'est toujours ça de prix. Toi du coup, ici on en est où? Du feu, c'est pas si mal. Toi t'as un peu froid, t'as froid genre beaucoup, 49% ça va. Est-ce que j'ai envie de continuer de t'entraîner là-dedans? Coach d'endurance, là. Ce serait pas mal de commencer peut-être à travailler un petit peu l'agilité. Peut-être que coup rapide et esquive, ça serait quand même pas mal pour un tank, hein. Donc tu vas commencer à travailler là-dessus, toi. Toi aussi d'ailleurs, hein, je me demande. En agilité,
Ouais, il faudrait que t'ailles chercher l'uppercut du coude. 15 à 50% de chance de causer une hémorragie. Ça nous pourrait nous permettre d'aller vers ces compétences-là, peut-être. Donc ils vont travailler l'agilité, nos copains là. Allez, go. En plus, ça a l'air de réchauffer de s'entraîner. Va dormir. Parce qu'il y a l'attaque des titans dans 6 heures, je sais pas ce que c'est, mais ça sent la mauvaise idée. Alors, toi, tu vas arrêter de taper. Toi, tu vas là. Toi, tu vas être reposé. Il va falloir qu'on trouve un coach en force ou un truc du style. Vous aimez le même genre de live? C'est pas impossible, ouais. C'est vrai que. La revanche des titans. Ah, c'est les gamins! Sale gamine ingrate! Esquive, bleu pétard. Ok. À go. On va encore leur mettre une fessée aux gamines, ça leur apprendra. Donc il nous met un pétard, voilà, le pétard, on l'a paré. Et on leur vole 5 balles. Parce que pourquoi pas. Alors la Ligue des Justiciers dans 23 heures. On va essayer d'avancer un peu du coup. Le marché. On devrait pouvoir le gérer du coup, la parade. C'est un travail pour Noah. Faut se débarrasser un peu de ces cons. On est un petit peu fatigué, on va voir comment ça se passe. Oh, on a réussi à le stun. Ça tombe bien parce qu'on est trop fatigué pour faire quoi que ce soit. On le restun, coup de cul. De 10% de chance de stun sur n'importe quelle attaque, il aide, hein. Par contre là. Ouais, malheureusement, on n'arrivait pas à taper, on était trop fatigué. Est-ce qu'on peut du coup plutôt aller ici avancer? Donc là, on va travailler pour lui, hein. Il faut qu'on lui récupère un fauteuil. Alors là, il y a de la bataille. Lui, on va lui récupérer son alliance. Il a l'esquive, le broiement. Kenshi, je pense que tu peux le gérer. C'est parti. Allez, essaye de lui mettre des petites fessées. Voilà. Le petit coup de coude. Tu pars à l'attaque. Aïe, ça fait mal. Ça, c'était nul. Aïe, Kenshi. Voilà, le coup de coude. Merci, c'est ça qu'on veut. Et on récupère une petite rose et une alliance et de la bouffe, c'est parfait. Et là, il n'y a rien par contre. Et lui, du coup, on peut lui donner son alliance et récupérer du blé. Et là, on est pété de thunes, hein, on va pas se mentir. Alors, par contre, faut qu'on aille se reposer. Toi, tu vas dormir. Toi, il te reste un petit peu d'énergie. Va taper dans le punching ball. T'es fatigué? Ok, très bien. Est-ce que on peut récupérer. Non, c'était la nuit qui avait l'architecte de dispo, je crois. Ici, on peut acheter un truc. Ah, lui, on peut finir sa quête. Elle nous donne 5 thunes pour avoir fait son bouquet et elle nous donne un secret. Vous pouvez vous rendre au port en passant sur le pont. Ça, c'est cool. Dans 19 h, la Ligue des Justiciers. Ok. Pourquoi pas l'aire de jeu. Le coach d'agilité, mais coach d'agilité, ça nous intéresse pas des masses, techniquement. Parce qu'on n'a pas grand monde qui bosse son agilité. Du côté des mécanos, on pourrait prendre le danseur. J'ai pour spécialité de redonner le sourire aux autres.
On va le recruter, je sais pas si c'est considéré comme un NPC ou comme un joueur. Non, c'est vraiment considéré comme un NPC. Alors qu'est-ce qu'il fait? Mes danses prodiguent des effets magiques, laissez-moi danser pour vous. 30% de chance de cuisiner deux fois plus, diminution d'hygiène réduite de 50% ou 15% d'expérience obtenue du sport. Go! On peut se permettre, on a l'argent. On va aussi activer ça. Ok, nos bonus se mettent ici. D'accord, très bien. Toi, va t'entraîner un peu. Toi, tu vas aller te soigner. Alors du coup, il nous faudra un deuxième banc si on veut reprendre un coach. Ça va être compliqué. Si c'est en train de s'éteindre. On va remettre un peu de papier, mais on a presque plus de papier. Allez, tu manges, ok, très bien. Mange, puis va te reposer. Ouais, la Ligue des Justiciers bientôt. Va mendier un peu. On a 10 heures encore, ça laisse le temps. Notre patate, elles en sont où là? Ouais, ça va. Du coup, on va être suffisamment remis. C'est parfait, toi tu te lèves. Toi tu vas aller te reposer. Toi tu vas mendier un peu. Plus la Ligue des Justiciers, ils vont nous piquer de la thune hein, si... S'ils arrivent à nous battre. Allez, va faire un truc pas fatigant, tu vas cuisiner et on va attendre tranquillement qu'ils arrivent. On n'a plus du tout de papier, hein. Va falloir qu'on commence à mettre de la, de l'argent dans le feu. Il est tout seul. Tant qu'il sort pas son flingue, ça va. Alors, level 5. C'est parti. Donc, tout seul normalement, voilà, ça devrait passer. Et en plus, on récupère de la bouffe. Allez, faut qu'on profite de notre bonus de d'XP là. En plus, ça va te réchauffer de taper dans le ballon. Le grand vol d'ordure, on va pas y aller. Ah, la petite baston de jeune là, c'était gentil encore. À faire très froid. On va mettre un peu de sous là-dedans, tant pis. Ah, il est en hypothermie lui, ça y est. Il faut qu'on le réchauffe. Et il faut qu'il soit à 75% quand ces jauges-là se terminera. Sinon, il meurt. Même si il a été réchauffé entre-temps. Allez, pendant que le feu est allumé, on va en profiter tous les deux. Non, toi tu continues de te réchauffer. Si, est-ce qu'on a de l'eau? On a de l'eau. On va allumer la torche, puis on va aller prendre une douche. Avec le peu d'eau qu'on a. C'est bon, il est réchauffé à 94%, c'est pas mal. Va taper dans le ballon. Et boum, boum, boum. Ok, un petit niveau. Un petit niveau en agilité, on pourra aller chercher l'uppercut du coude.
Ça c'est beau. Et après le mouvement mortel, je pense que ce sera pas mal. Bonus de vitesse d'attaque aussi. Le personnage peut reculer en combat s'il se bat à distance. Non, il se bat pas à distance donc c'est pas utile. Allez, on continue. On essaye de profiter de notre bonus d'XP jusqu'à ce qu'il soit parti. Parfait. Toi du coup, tu vas prendre le coup rapide. Non, tu vas pas prendre le coup rapide. Tu vas plutôt prendre ça et on ira chercher l'esquive. L'esquive, ce sera pas mal pour lui. T'en es où toi de ton hypothermie? T'es à 91%, ça va. On va prendre une petite douche, il neige un peu, donc il y a un petit peu d'eau. Et on va arrêter l'épisode de VODLA, il est suffisamment long, bien assez long même, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé, si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat. Je vous laisse le temps de boire une petite gorgée d'eau. Et je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.